الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Qu'évoque pour toi cette image? Je rappelle le postulat de base qui a codé tout dans la science al-mubin, qui a codé l'univers dans la science al-mubin, plus que l'univers, qui a tout codé dans la science al-mubin. Question, à vous de me dire, soit le hasard, soit Mustafa, soit Allah. Parfait. Al-mubin est une science basée sur les nombres premiers et les nombres mystérieux. Al-mubin est une science, je n'ai pas dit une technique, je n'ai pas dit une approche, je n'ai pas dit un algorithme, je n'ai pas dit une façon de faire, je n'ai pas dit une IA. Non, Al-Mubin est une science complète, une science divine, basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23 et les autres. Les nombres premiers, leur définition est simple. Un nombre est premier quand il a deux diviseurs, lui-même est 1. Donc 2 est premier parce qu'il a deux diviseurs. 2 divisé par 2 égale à 1, 2 divisé par 1 égale à 2. 3 est premier pour la même raison. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs, sauf 2, ne sont pas premiers. 5 est premier. 7 est premier. 9 n'est pas premier. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. 9 a 3 diviseurs, lui-même 1. Et 3, 9 divisé par 3 égale à 3. Donc la définition des nombres premiers est simple. Tu n'as pas besoin de compétences autres que la connaissance de ces nombres, qu'ils ont des rangs aussi. Les nombres premiers, ils ont des rangs. C'est-à-dire qu'ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier. Son rang est 1. Le 3 est le deuxième nombre premier. Donc le 3 a comme rang 2. Le 19 a comme rang 8. Le 23 a comme rang 9. C'est ce qu'il faut savoir pour comprendre la science al-mubin. Maintenant, la codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Dans cette nouvelle langue, dans ce nouveau système de codification, A égale à 2. B égale à 3, D égale à 7. Donc nous, quand on veut parler, on parle en utilisant ces lettres. La science al-mubin, elle parle en utilisant n'importe quel système de codification. Moi, j'ai choisi celui-là. Celui-là qui passe par les nombres premiers. Mais n'importe quel système de codification, n'importe quelle langue, elle s'applique avec al-mubin. Parfait. Al-mubin l'utilise comme langue. Donc observez bien. Cette image... Masha'Allah, qui a attiré mon attention dès la première seconde où je l'ai vu. Observe bien. Qu'évoque pour toi cette image? Je rappelle quand même les nombres mystérieux. 114 est l'identité numérique d'Allah. Dans toutes les langues, Allah, c'est 114. Le 20 est l'identité numérique du Coran. 114 surat. Le 23, la durée de la révélation. Le 40 est l'âge de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il a commencé sa mission. Appeler l'humanité à Allah pendant 23 ans. Et c'est le seul âge cité dans le Coran, surat al-Ahqaf, la surat 46, verset 15. Le 30, c'est le nombre de nombres premiers entre 1 et 114. Quand tu comptabilises les nombres premiers entre 1 et 114, tu trouveras pile poil 30. Et c'est le nombre qui accompagne le seul âge cité dans le Coran dans le même verset. Verset 15 de la sourate 46. Il a été choisi comme prophète à 40 ans. Il a appelé l'humanité à Allah pendant 23 ans. Il est mort à 63 ans, l'âge de la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Encore une fois, qui a codé l'univers dans la science al-mubin. Donc dans cette science, pense à ce que tu veux. N'importe quelle pensée que tu vas avoir. N'importe quelle information, n'importe quel questionnement, n'importe quelle chose qui peut être traduite en nombre. Tu verras que c'est codé par Allah et je vais te le montrer, et je vais te le démontrer. Donc, qu'évoque pour toi cette image? Observe bien, je pose une question, qu'évoque pour toi cette image? Et je me suis posé cette question en entrée de jeu et moi directement, elle m'a fait penser à quelqu'un qui va vous étonner. Observez bien. Qu'évoque, observez, pour toi cette image dans la langue des nombres premiers, des nombres, des 26 premiers nombres premiers. Donc ici, sans les rangs, la question sans les rangs, et ici, avec les rangs. Nous avons dit que Q, par exemple, égale à 59. Mais 59 est premier, il a comme rang 17, qui a comme rang 7, qui a comme rang 4.
Le E égale à 11. Mais 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Nous avons dit que le A égale à 2, mais 2 est premier, il a comme rang 1. Donc, cette question a comme total sans les rangs 1050, a comme total avec les rangs 1440. Observez bien, application de la science Hamiltonienne à la question. Les deux totaux, je les pose ici. Je divise par les cœurs de la science Hamiltonienne. Le 114, l'identité numérique d'Allah. Le 23, la durée de la révélation. Ici, les restes de la division euclidienne que tu as rencontrée dès le primaire. J'ai 5 chocolats que je veux distribuer à 3 personnes. Chaque personne va avoir un chocolat. Le reste est 2. 5 moins 3 égale à 2, le reste de la division euclidienne que tu utilises tous les jours. Donc la science Al-Mubin exige que, à chaque fois que tu as un nombre supérieur au 23, divise-le par le 23, ici le reste est 1. Dans 24, il y a un seul 23, il reste 1. Le 72, divise-le par le 23, le reste est 3. D'accord? Dans 72, il y a 3 23. 3 fois 23, ça fait 69. Et 69 plus 3 égale à 72. Le 3 est premier, il a comme rang 2 qui a comme rang 1. Donc ces nombres, moi je n'ai rien à voir avec eux. Le hasard n'a rien à voir avec eux. Tu vas voir que Allah les a posés lui-même. Observe bien. Somme de la ligne principale. Somme de la ligne de division euclidienne. Ok. Somme ce qu'elle a engendré. Somme avec. Somme de la ligne principale avec ce qu'elle a engendré. Parfait. Ce nombre plus ce nombre donne ce nombre premier. Allah lui a dit soit premier, et il fut. Il a comme rang 55. Très bien. On aura besoin de la durée de la révélation. Le nombre principal de Al-Mubin. 23 est premier, il a comme rang 9. Très bien. Observe bien. Lui, je n'ai rien à voir avec lui. Avec lui. Avec le 9, tu verras le 23, qu'est-ce qu'il va faire? Égal à ce nombre. Ce nombre est le rang du nombre premier 1297. 1297. Moi, cette image, à l'instant, je l'ai vue. Elle m'a rappelé Urban premier, Urban 2. Vous allez me dire, c'est qui lui? C'est lui qui m'a mobilisé, c'est le fameux pape français qui a mobilisé les croisades. La première croisade, c'est à cause de lui, pour aller massacrer les musulmans et les autres, quels qu'ils soient. D'accord? Urban premier. Ça marche. Vous allez me dire, Mustapha, un bonhomme qui porte la Palestine en lui et qui fait le signe de Tawhid, de l'unicité, t'appelle, te rappelle Urban B2. Ok, tu es fou. Très bien. Observez bien, les amis. Observez bien. Donc ça, 1297, c'est ce nombre. La somme de lui, la somme son, dans cette langue, c'est toujours son et avec, le total égal à 1297. Donc voici, mon idée, ma pensée a été codée par Allah. Vous allez voir que ça ne va pas s'arrêter. De manière intarissable, renouvelable, jusqu'à la fin des temps, quelle que soit la chose à laquelle tu vas penser, Allah l'a codé. Donc Allah a dit à ce nombre, sois premier. Et il fut. Il est premier. Il a comme rang 211. 211 est premier. Il a comme rang 47. Le 47 est premier. Il a comme rang 15. Parfait. Observe bien, le 1297, le pape Urban II, avec le 23 qui n'avait pas participé. Le seul qui n'avait pas participé, c'est lui. Là, tu vas voir un raisonnement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Égal à lui. Ok, lui, ce nombre, est le rang du nombre premier 10 859. Donc ce 10 859 est le 1320e nombre premier. On aura besoin de Dieu. Dieu dans toutes les langues, dans la langue des premiers, c'est 114. Et on aura besoin de la durée de la révélation. Observez bien. Lui, avec le 114, avec le 23, le 9 s'isole, ok, avec lui, avec son rang, avec lui, observez bien, avec le 1297. Et avec le 257, qui est lui plus lui, c'est-à-dire avec la somme 100 et la somme avec. Égal à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? La question qui a traversé mon esprit. Quelle est la différence entre l'année 1272, l'année de la fin de la dernière croisade, la neuvième croisade est considérée comme la dernière, et l'année 1096, la première croisade? Allahu Akbar. Allah a voulu que je pense à cette question. Quelle est la différence entre l'année 1272, la fin de la dernière croisade, et l'année 1026? Ok, Allah a fait que j'ai pensé à ça, et Allah l'a codé. Il est codé ici. Parfait. Allah a dit à ce nombre, soit premier, il fut. Il a comme rang 590. On aura besoin de la durée de la révélation.
Observe bien maintenant, s'il te plaît. Le 590 que Allah a posé ici. C'est pas moi qui l'a posé ici. Ok? Moins le 9, ça isole le 23. Rappelez-vous le 23 ce qu'il vient de faire. Le 2, 23 ce qu'il vient de faire. Ok? Donc les 9 attendaient, puisque les 23 et le 23 ont utilisé, les 9 attendaient. Donc avec ce 9, ok, observez bien, avec le 114 Dieu, avec le 211, le 47, le 15, ces rangs que Allah a posés ici, et avec le 9. D'accord? Observez bien. Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? C'est 1272, l'année de la fin de la dernière croisade, moins la première croisade lancée par Urbain II. Et la surprise égale à 176. Vous l'aviez oublié, n'est-ce pas? Ok, observez bien. Daoud ne l'a pas oublié. Le bonhomme qui est là-bas, là-haut, ne l'a pas oublié. Allez, explique ça, mon ami, 176. Et ce n'est pas pour le nombre 176 que j'ai pensé à Urbain II. Non. C'est après que j'ai découvert, subhanallah, que le 176, il a un lien avec la première et la dernière croisade, subhanallah. Phénoménal, non? Comment vous pouvez expliquer ça? Et tout Al-Mubin, c'est ça. Tout Al-Mubin, c'est ça. Toute cette science, c'est comme ça. Donc, observez bien. Donc, c'est 1272 moins 1096 égale à 176. Maintenant, observez bien. Allah a codé autre chose qui a traversé mon esprit. Observez bien. Lui, ce nombre, qui est la différence entre les deux années. OK. Avec le 114 et le 23 maintenant. Le 9 s'isole. OK. Avec lui, observez bien. Avec le 23 encore. Et avec lui, ou avec le 257. OK? Avec lui, ou avec le 257. Ça isole le 55. OK. Égal à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Observez bien. La somme sans, la somme avec. OK? Et observez bien. Donc, tous ces nombres-là. Voilà. Tous ces nombres-là. Voilà. Très bien. Égal à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Quel est le nombre porté par Daoud? Allahu Akbar. J'ai pensé à ça. Qui est le nombre porté par Daoud? Allah a dit à ce nombre, soit premier, il fut. Et la comme rond lui, qui a comme rond lui. Et Allah a dit à ce nombre, soit premier, il fut. Et la comme rond lui, la comme rond lui. Sachez que les nombres premiers sont très rares. Sachez que les nombres premiers sont très rares. Ils sont énigmatiques. Ils sont mystérieux. Regardez l'as des mathématiciens. Le génie des mathématiciens, ce qu'il a dit. Les mathématiciens ont vainement essayé de découvrir l'ordre qui régit les nombres premiers, nous avons toutes les raisons de croire que l'esprit humain est incapable de percer leur mystère. Il a aussi dit une autre fois, il faudra 1 million d'années pour comprendre les nombres premiers. Je peux le comprendre, il n'avait pas le Coran. Moi, cette découverte, je l'ai fait grâce au Coran. Sans le Coran, je n'aurais pas pu découvrir cette science. Et sans la chose la plus complexe dans le Coran, la plus ambiguë, la plus inaccessible, la plus mystérieuse dans le Coran, je n'aurais pas découvert cette science. Cette science est la rencontre entre les fameuses formes mystérieuses, les fameuses lettres mystérieuses et les nombres premiers. Les lettres mystérieuses dans le Coran, c'est quoi? C'est Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain, Ya Kaf Ha Ya Ain, Sad Ha Mim, Nun Qaf. Ces formes-là, leur rencontre avec les nombres premiers a donné naissance à cette science. Donc lui, il est premier, il a comme rang, il a comme rang. Maintenant, expliquez-moi s'il vous plaît. Lui, Allahu Akbar. Moi, lui, Allahu Akbar. Moi, le 9. Vous avez vu le 23, le 23 et le 23 viennent de travailler. Le 9, attendez, le rang du 23 avec Dieu. Donne quoi? Donne le 176. La question que Allah a codée, quel est le nom porté par Daoud? 176. Qui égale à quoi? Qui égale à la différence entre l'année, la fin de la dernière croisade et la première croisade. Allahu Akbar. Parfait. Maintenant, observez bien. Le fameux 1297, rappelez-vous, le fameux 1297, le pape Urbain II, avec le fameux 23. Le 9 vient de travailler, ce qui isole encore le 23. Regardez bien, le 9 vient de travailler, ce qui isole encore le 23. Parfait. Égal à lui. Lui est le rang de ce nombre premier. Et ce nombre est le rang de ce nombre premier. Parfait. Observez bien. Le 114 809. Moins le 1320, moins Dieu, plus le 23, moins 9, moins un nombre qui a été isolé depuis le début, le fameux nombre, le 55. Le 257 a travaillé, le 125 a travaillé, le 132 a travaillé, mais le 55 a été isolé plusieurs fois. D'accord? Donc avec ce 55, égal à ce nombre c'est quoi? 113 334. Énorme, non? J'ai demandé à ma fille de me dire à quoi cette image l'a fait penser. 113 334, 113 334, c'est tout le texte de ma fille
transformé en nombre premier. Observez bien. Et il dit, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Mariam et mon père bien-aimé m'a demandé d'écrire ce que cette image évoque en moi. Il m'a seulement dit que cet homme, au premier plan, est son ami Daoud, converti à l'islam. Et c'est là où notre Urbain II doit bouger dans sa tombe. Il a voulu mobiliser les chrétiens pour massacrer les musulmans. Et subhanallah, aujourd'hui en Europe, il y a des gens comme Daoud qui se convertissent à l'islam. Il y a des millions et des millions et des millions de personnes en Europe, alhamdoulilah, et partout dans le monde, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il m'a seulement dit que cet homme, au premier plan, est son ami Daoud, converti à l'islam. On le voit participer à une course portant le drapeau de notre chère Palestine et faisant le signe du tawhid, l'unicité absolue d'Allah, en esquissant un petit sourire. Cette image éveille en nous une lueur d'espoir. L'espoir qu'un jour notre terre se libérera et qu'elle retrouvera la paix et la justice. L'espoir que d'autres encore vont se réveiller de l'hypnose permanente des médias français, tentant en permanence de convaincre, de persuader que réagir aux injustices signifie terrorisme. Et tenter d'anéantir ce terrorisme signifie paix. Ça, c'est ma fille Mariam, 16 ans. Car oui, être palestinien est devenu être cher à canon. Et dans cette France où règne le mépris de toute une communauté arabo-musulmane, certains comme Daoud laissent triompher l'humanité d'Allah. Allahu Akbar. L'humanité d'Allah, qui n'était pas dans Urbain II. Daoud laisse triompher l'humanité qu'Allah a instillée au plus profond de leur âme. Et surtout, ce doigt pointant vers les cieux, vers le Tout-Puissant, et un appel à Allah qui nous a annoncé dans Surat Al-Isra que notre terre sacrée nous reviendra un jour. Qu'Allah anéantisse les injustes et qu'Allah nous permette un jour de nous réconcilier avec lui pour qu'on puisse un jour prier victorieux dans la mosquée Al-Aqsa et réaliser ainsi sa promesse annoncée dès le début de la révélation dans les premiers versets de Surat Al-Isra qui s'appelle aussi Banu Israël, les enfants d'Israël. Mariam, qui aime la Palestine d'un amour intarissable jusqu'à la fin des temps. Le total de ce texte transformé en nombre premier égale à pile poil 113 334 que Allah a codé ici, avec les noms qui ont précédé. Allahu Akbar. Parfait. Maintenant, observez bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de ce texte, le cœur de ce texte. Lui moins lui donne la somme des rangs de ce texte. Quand tu fais plus, ça donne ce nombre. Quand tu fais moins, ça donne ce nombre. Très bien. Observe bien, s'il vous plaît. Le 17730, observe bien. Moins lui. Lui n'avait pas participé ici. Donc moins lui. Observez bien. Moins lui. Avec lui. Observez bien. Avec le 23 et le 9. Avec le 23 et le 9. Ok, observez bien. Donne quoi? Donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Et vous, qu'est-ce que cette image évoque en vous? Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, que je prenne le texte de Mariam jusqu'ici. Mariam qui aime la Palestine d'un amour intéressable jusqu'à la fin des temps. Il restait, et vous, qu'est-ce que cette image évoque en vous? La voilà. Ça, c'est la dernière phrase de ma fille Mariam. Allahu Akbar. Parfait. Allah l'a codé. Elle est là. Maintenant, observez bien. Lui moins lui donne l'âme, le cœur de ce texte, la somme des rangs de ce texte. Parfait. 637. Observez et essayez d'expliquer. Le 637, avec deux nombres qui n'ont pas encore participé. Avec les deux nombres qui n'ont pas encore participé. Moins lui, qui est le nombre porté par Daoud. Ces deux rangs, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore participé. Donc le 637, moins lui, donne le 335. Le 335 est un nombre premier qui a comme rang 71. Et 71 est un nombre premier qui a comme rang 20. Expliquez, s'il vous plaît. Le 353, moins le 71, moins le 20, plus le fameux 55, que Allah a posé ici, le premier rang qui a tout fait, égal à quoi? Égal à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? C'est Daoud. Allahu Akbar. Daoud. Allahu Akbar. Le héros de l'image qui fait bouger Urbain II dans sa tombe. Allahu Akbar. À l'époque de Urbain II, il n'y avait pas de musulmans en Europe. Il n'y avait que des gens assoiffés du sang des musulmans. Là, aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons des gens comme Daoud et des millions et des millions de personnes musulmanes assoiffées de justice, assoiffées d'apaisement pour les autres. Ok? Parfait. Ça, c'est Daoud. Allahu Akbar. Allah a demandé à ce nom qui est le cœur de Daoud d'être premier, la commande 42. Parfait. Et Allah a demandé à lui d'être premier, la commande 66. Très bien. On a besoin de Dieu, comme à chaque fois. Très bien. Observez bien, s'il vous plaît.
Observez bien le 353 que Allah a posé ici. Ce nombre-là. Avec le rang de Daoud. D'accord? Avec le rang de Daoud. Avec Allah, donne encore Daoud. Vous allez me dire comment? Observez bien. Le total de ces nombres, ça fait aussi Daoud. D'accord? Et Allah a demandé à ce nombre d'être premier et la compréhension 72. Observez bien. Le 72 avec le 42 de Daoud donne le 114, celui qui a codé. Allah. Parfait. Maintenant, observez bien. Somme de la totalité des rangs. Je vais sommer, Allah a voulu que je somme la totalité des rangs que Allah a posé dans cette étude. Je n'ai rien à voir avec les rangs. Les humains pensent que les nombres premiers sont anarchiques. C'est-à-dire quand ils apparaissent, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de logique derrière. Donc vous allez voir, non, qu'il y a une logique divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Observez. Je vais sommer tous les rangs des nombres premiers de cette étude. Observez bien. Tous les rangs des nombres premiers. Même les rangs principaux. Même les rangs principaux. Je somme tout le monde. Ça donne ce nombre. Parfait. Observez bien. Maintenant, le cœur de Daoud. Lui moins lui donne la somme des rangs de Daoud. Parfait. Égal à 45. On aura besoin de la durée de la révélation et de son rang. Parfait. Observez bien. Le 1992, avec le cœur de Daoud, avec le 23 et le 9, donne 2023, l'année de cette étude. Et l'année où j'ai repéré l'image de mon cher Daoud, je l'ai repéré il y a quelques jours. D'accord? Parfait. Maintenant, observez bien. Le 72 ici, le rang de Daoud. Et le 42 ici, le rang encore de Daoud. 72 moins 42. On avait fait 72 plus 42, ça avait donné 114, n'est-ce pas? Maintenant, 72 moins 42 égale à un nombre de Al-Mubin. Le 30, c'est le nombre de nombres premiers entre 1 et 114. Parfait. Observez bien. Observez bien, s'il vous plaît. Le 1992, avec Dieu, observez. Avec le 45, observez bien. Avec le 30, d'accord? Donc, observez bien. Donc, avec Dieu, ces nombres-là, donne le 1049. Le 1049 est un nombre premier qui a comme rang 176. Allahu Akbar. Le nombre porté par Daoud. Le 1272, la fin de la 9e et la dernière croisade, moins la première croisade lancée par Urban II. Allahu Akbar. Maintenant, observez bien. Le 2023, observez bien la beauté de la chose. Moins le 1049, plus le 176, moins le cœur de Daoud, le 45. D'accord, la somme des rangs de Daoud, avec le 9, le rang du 23, donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? L'année de la première croisade lancée par le pape Urban II. Allahu Akbar. Maintenant, observe bien. Les mêmes noms qui sont juste là, que Allah a posé ici. Quelle que soit l'intuition que je prends, quelle que soit l'intuition que j'ai, je me rends compte que Allah l'a codé. Observe bien. Le 176, avec le 30, avec le 23, le 9, observe bien, le 23 et le 9, ils sont juste là, avec le 45, donne ce nombre, 283. Le 283 est premier, la comprend 61, qui a comprend 18. Observe bien, s'il te plaît. Le 283, avec son rang, avec le rang de son rang, moins le cœur de Daoud, moins le 45, qui est la somme des rangs de Daoud, égale à quoi? Égale à 317. C'est quoi ça? Encore Daoud. Allahu Akbar. Premier, qui a comprend 66, et lui, il est premier, il a comprend 42. Très bien, observe bien. Maintenant, le 317, plus son rang. Daoud, plus son rang. Égal à ce nombre. Allah a dit à ce nombre, soit premier, il fut. La comprend 76. Observe bien. Le fameux Dieu, 114, qui est juste là. Le 114. Avec le 23 et le 9, ça donne 100. Maintenant, allez, explique s'il te plaît. Le 383, plus son rang, moins le 100. D'accord? Égal à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? C'est encore Daoud. Et regarde la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le son qui se trouve juste ici, avec le rang qui se trouve juste ici, égale à quoi? Égale à 176, le fameux nom porté par Daoud, qui a un lien avec les croisades. Allahu Akbar. Maintenant, la somme des nombres à partir de 1096. Observe, je vais sommer les nombres à partir de 1096, qui est l'année de la première croisade, lancée par le pape Urban II. Allahu Akbar. Je vais sommer tout ça. Normalement, ça n'a ni queue ni tête, normalement. Tu vas voir que non, il y a un raisonnement divin qui continue, sans s'arrêter. 4401. Allez, observe et explique. Le 4401. Moins le 9, le rang du 23, qui est juste là. Qui est juste là. D'accord? Qui est juste là. Avec le 45. Avec Dieu, observe bien. Avec Dieu. D'accord? Observe bien. Donc le 9, le rang du 23, le 45, le cœur de Daoud, et Dieu qui sont juste là-haut. Ok. Égal à lui. Lui, c'est quoi? Soutien inconditionnel pour un frère réceptionnel. J'ai pensé à ça. Et ça rappelle quelque chose à Daoud.
Soutien inconditionnel pour un frère exceptionnel. Allahu Akbar. Maintenant, observe Daoud. Lui moins lui donne le cœur de ton texte. Ça, c'est ton texte, non? Pile poil. Parfait. Égal à 615. Maintenant, je te rappelle. Le 72, le rang qu'il y a juste là, et le 42 de Daoud. 72 plus 42. Égal à 114. Ça, c'est Dieu, n'est-ce pas? Le 72 moins 42, c'est le 30, le nombre de Al-Mubin. N'est-ce pas? Parfait. Observe bien. La somme de la totalité des rangs de cette étude. Je vais encore ressommer la totalité des rangs de l'étude. Donc, ça commence ici. Rappelez-vous, ça c'est la première somme de la totalité des rangs. Maintenant, on va rajouter les autres. Plus 9, plus 176, c'est un rang. Plus 61, plus 18, plus 42, plus 66, plus 76. Observe bien. Plus 42, plus 72. OK? Tous les rangs, je les somme. Ça donne ce nombre. Parfait. Observe bien et explique. Lui, moins lui. Ça, c'est la somme des rangs de texte de Daoud. Parfait. Avec Dieu et avec le 30, le fameux nombre de Al-Mubin qui vient de Daoud. Égal à quoi? Égal à 2023, encore, l'année de cette étude. La première sommation des rangs, rappelez-vous, avait donné directement le 2023. Et la deuxième sommation des rangs a encore donné le 2023. Maintenant, essaye d'expliquer, s'il te plaît, la somme de la totalité des rangs de cette étude, le 2554. OK? Moins Dieu. Moins Dieu. Moins le rang de Daoud. OK? Ça donne quoi? Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? C'est 1272, l'année de la fin de la dernière croisade, plus 1096, l'année de la première croisade. Tu veux le voir pour le croire? Observe. 2368. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maintenant, tu te rappelles encore, le 72 moins le 42. Ça, c'est lié à Daoud. 72, le rang de Daoud, moins le rang de Daoud. Égal à 30, un nombre de Al-Mubin. Ce nombre est le rang du nombre remis 113. Et ce nombre est le rang du nombre remis 617. Observe et explique, s'il te plaît. Le 2368. Avec le 617, d'accord, donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Soutien inconditionnel pour un frère exceptionnel. À chaque fois que je pense à quelque chose, Allah l'a codé. On a besoin de la durée de la révélation. 23. 23 est premier la Qumran 9. Observe. Le 4119. Avec le 617 que Allah a placé ici. Avec le 113. Tu verras le 30 qu'est-ce qu'il va faire. Observe. Avec le 23 et le 9. Donne quoi? Donne ce nom. Ce nom c'est quoi? Qu'Allah, par son attribut Ar-Razzaq, vienne en aide et soulage ta fille. Ça c'est un texte de Daoud. Quelle que soit la chose, Allah l'a codé. Dans la science al-Mubin. On sait que Allah a tout codé. Naam. Mais maintenant, Mustafa rajoute que Allah a codé tout dans une science que Mustafa a eu l'honneur et le bonheur de découvrir dans le Coran. Observe bien, tout est codé. Donc lui moins lui est le cœur de cette invocation de notre frère Daoud. Parfait. Ça donne 703. Observe bien. Le 703. OK? Le 703. Avec le 617. Le 703. 703. Plus le 617. Allez, essaye d'expliquer s'il te plaît. Le 703. Avec le 617, donne ce nombre. Tu l'as déjà oublié. Ça, c'est Urban 2 plus le 23. Qu'on avait déjà rencontré. Urban 2 plus le 23. Donc ça, c'est le rang de ce nombre. Et ce nombre est le rang de ce nombre. Allez, explique s'il te plaît. Ce nombre. Avec ce nombre. Avec le 703, observe. Avec le 23, observe. Avec le 617, observe bien la beauté d'Allah, d'accord? Avec le cœur de Daoud, la somme des rangs de Daoud, d'accord? Non, avec le 617, moins les 323 de l'étude, moins les 323 de l'étude, donne ce nombre. Et les mêmes nombres, avec le cœur de Daoud, moins le 114, d'accord? Donc ça, c'est les fameux 23, ici c'est Dieu, dans le même nombre, c'est quoi ça? Le texte de Mariam. Le texte de Mariam. Maintenant, observe bien, s'il te plaît. Lui moins lui donne ce nombre. OK, le cœur de texte de Mariam. On aura besoin de la durée de la révélation. 23. 23 est premier la Qumran 9. Observe bien. Lui. Observe bien. Avec le 23 et le 9. Observe. Avec lui qui n'avait pas participé. Avec lui. Avec lui. Observe. Avec le 23 et le 9. OK. Avec le 617. Ça marche. D'accord. Et Dieu et Dieu donne ce nombre. Et maintenant, les mêmes nombres. D'accord. Avec le 23 et le 9. Le 30 et le 30. Les deux 30 qui se suivaient. Dieu et Dieu donne ce nombre. Et avec maintenant, ici c'est le 617 sans son rang. Ici, le 617 avec son rang, rappelez-vous, le 617 avec son rang, observez, avec son rang, avec le 30, ok, avec le 30, et on remonte là, ou avec le fameux 55, de trois manières différentes,
Ça donne le même nombre. Ça, c'est quoi ça? Et vous, qu'est-ce que cette image évoque en vous? Allez, je vous pose la question. Et vous, qu'est-ce que cette belle image évoque en vous? Ma question, qui a codé l'univers dans la science mobile? Daoud, à chaque fois que tu peux partager, s'il te plaît, cette science, partage. À chaque fois que tu peux nous aider à la faire promouvoir, fais-le, s'il te plaît. Elle pourra être la cause de la conversion à l'islam de millions et de millions de personnes qui vont faire bouger Urban 2 dans sa tombe. Ça marche? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.